Flagowan. Oh, Carly Trunk. Alors, on y va. Celui-là d'abord, voilà, et celui-là. Cette émission est pour tous ceux qui ont perdu la foi. La foi en des programmes de qualité. Pour tous ceux qui refusent, comme nous, le diktat. Le diktat de la Terre et les Kiki. Télé-réalité Kiki. Oui, alors, c'est un mélange entre télé-réalité et teriyaki. Tu sais ce repas japonais? Oh, c'était pas turc? Non, japonais. C'est pas grec? Non, c'est japonais. C'est clairement portugais. Oui. Rolling, 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 baby, come on! Excellent cette chanson de Limp Bizkit, non? C'est une superbe chanson de Limp Bizkit, oui. Oh, rêve de gosse. Rêve de gosse, on va faire le clip. Ils ont déjà un clip hein, pour cette chanson, mais... Non mais d'accord, on va faire notre clip à nous, avec nous dedans. Oui, mais maintenant à la télé, on n'a plus le droit. On n'a pas le droit en fait d'utiliser plus de 10 secondes de la musique d'un autre artiste. C'est comme ça, hein, c'est les droits d'auteur, c'est le CSA. Donc c'est pas possible. Sur Internet, avant oui, mais maintenant on est à la télé. Oh, t'as trop changé. Sérieux, il est où le Carlito qui s'en battait les couilles et tout? Je me souviens d'avant. Non, non, mais je m'en bats les reins, je suis un malade. Seulement, c'est la règle, c'est juridique. C'est juridique. C'est un nouveau mot, ça, tu l'utilises. Je m'en bats les couilles de celui-là, je veux pas savoir. Ok, qui va m'empêcher? Qui va nous empêcher? C'est que tu n'as pas le droit. Personne! Boum! Putain! On reçoit Laurent Baffy, on reçoit Laurent Baffy, on reçoit Laurent Baffy, on reçoit Laurent Baffy, on reçoit Laurent Baffy. Et c'est plutôt plaisant par plusieurs arguments que je vais réciter maintenant. Premièrement, c'est Laurent Baffy. Pourquoi ça marche pas? On est dodo, c'est des jeunes. On t'a présenté Nathan? J'ai pas l'habitude de dire ça, mais défonce-moi. Je m'en branle de Nathan, je suis... C'est quoi ton prénom? Je te parle. Moi, c'est Florent. Trop con, Florent. C'est quoi ton insulte préférée? Ça, c'est une vraie question. Nadine de Rothschild. Voilà. Quand je suis énervé, je dis ça. Ouais, ça marche bien. Ça marche bien. On nous l'avait pas sorti, celle-là, je crois. Marina est partie dans la rue pour vous demander c'est quoi vos pires insultes, mais il y a des trucs un peu plus glauques que ça. Quoi. Glauque, c'est une couleur à la base. Hein. Ça veut dire vert. Ah, mon téléphone! Ça sonne, ça doit être encore une copine qui m'envoie un MMS de ses nouvelles chaussures. Putain, j'en étais sûre, elles sont trop belles! Non, mais ça, c'est avec les cops, on s'envoie toujours les photos des vêtements qu'on achète, c'est un truc de malade. Mais je crois qu'elle les a achetées au marché, elle, par contre, hein, tellement qu'elles sont chères. Hein. Oh, c'est beau! Connard, va, gros con! Obligé de klaxonner pendant 1000 ans, n'importe quoi! Putain, il a donné le thème! Oh, et lui aussi qui s'y met, tu t'arrêtes un peu! Putain, ils m'ont donné le thème du jour, là. Ouh là là, les insultes. Quelle est votre insulte préférée? Moi, c'est nique ta mère! Oh, c'est vulgaire! C'est vulgaire! Quelle est ton insulte préférée? Connard. Connard! Et en meuf, c'est quoi les insultes? J'insulte pas les meufs. Oh, t'es trop mignon, bisous! Avec plein de rouge à lèvres. Ça, là, va se faire foutre. Mon insulte, enculé. Enculé! Bordel à cul! Redou! Chelou! Et toi, vous répondez quoi à ça? Touche-toi le cul. Poufiasse! Sale fesse! Sale fesse? Ah, vous avez 2 ans et demi ou quoi? N'importe quoi! Putain de sa mère, la reine des chiens! Venez, si vous me le dites pas! Je vais si, allez, arrête-moi! Je vous assure que je n'en ai pas. Et en verlan, ça se dit encore ou pas, les insultes en verlan? Non, à part Tarba, c'est tout. Tarba? Pour bâtard! Bon, bah si quelqu'un vous énerve, vous lui dites rien! Je lui dis zut! Mais zut, c'est trop gentil! Moi non, moi je me suis arrêtée à nique ta rhum! Nique ta quoi? Ta rhum! D'accord. Je me fais clasher! Rien. Rien. Toujours cool. Pas d'insulte? Non. Juste un gros mot! J'ai pas le temps! Une insulte!
Je pourrais pas vous dire. Ah bon? Bah, tout le monde est mal poli dans cette ville et aujourd'hui tout le monde est poli. Et vous le dites comment? Dans quel contexte? À peu près tous les jours, en voiture, dans le métro. Comme par exemple, vous allez à l'allocation familiale ou vous allez à la sécurité sociale, on vous fait chier, on vous emmerde quoi. Ça soulage, mais grave, on est d'accord. Bien, ouais, 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 ça en mange tous les jours, lui. Raconte un peu comment ça se passe, moi. C'est grave ici, c'est grave, c'est amusant à fou, c'est amusant fou. Donc vous les insultez? Ah ouais, c'est ça. Et vous leur dites quoi? De pétasse, shut up. Oui, faut pas se laisser faire, monsieur, hein. Ah bah oui. On n'est pas là pour planter des fleurs. Exactement, exactement. Donc là... Oh, voilà. Connard. Poivre et sel, hein, les cheveux, poivre et sel, oui. Le pull, poivre et sel, le jean. L'homme poivre et sel, c'est vous? Ça me rappelle Alain Chabat, Burger Quiz. Sel, poivre. Meilleure référence, hein. Ouais. Ça manque le Burger Quiz à la télé, ouais, ou pas, aujourd'hui? C'est quoi les trucs cool à la télé que t'aimes bien aujourd'hui? Burger Quiz. Je suis vraiment... T'inquiète, t'inquiète. C'est une caméra cachée que vous me faites. C'est ça. La cigarette électronique qui fait une interférence. C'est ton sinistre, ça lui a fait un milliard. T'as un CAP d'ingénieur à la base, toi. Et tout le monde est incompétent chez toi ou il n'y a que toi? C'est un très bon ingé son en plus, je suis désolé. Ok, ça va pour le son là? J'entends bien toutes les conneries. J'adore cette phrase ici. Ça va pour le son, ça me fait rire. Il n'y en a pas un, genre connu, genre c'est le mec que tu peux pas voir et qui peut pas te voir? Si. Mais tu veux pas dire les noms? Bah bien sûr, on va... On va y aller? On va y aller. Jean-Pierre Pernaut. Putain, génial, on s'en branle de lui en plus. On s'en bat, c'est génial. Jacques Chirac. Ah merde, lui il est un peu stylé quand même. Le pape François. Oui, grave. Il te... Est-ce que tu me dis si je me trompe, Barack Obama? Non, on s'est rappelé. Ah, ouais. D'accord, il y a eu des petites SMS. Ouais, on s'est rappelé. Marie-Jeanne, tout ça. Y avait voilà, un... voilà. Non, il y a pas mal de gens. Hein. Ça t'a jamais porté préjudice d'être un vanneur, d'être un tacleur de ouf? Bah si, c'est toujours pareil, on m'embauche, on me vire toujours pour les mêmes raisons. Voilà, tu viens d'avouer. Bah oui, je l'ai toujours dit ça. Ouais, mais là par exemple, Paris Première. Ouais. Tous les samedis soirs. Ouais. 17e sans ascenseur. Ouais. Qu'est-ce qui pourrait faire que tu te fasses jarter? Rien ne va s'arrêter, c'est parfait pour l'instant. Ça une roule. Une vanne d'hier à l'enregistrement que je veux pas couper, que s'ils veulent couper, je me barre. Et c'était quoi la vanne en question? C'était une vanne à Françoise Laborde qui est au CSA. Je lui ai dit, c'est quoi le CSA? Elle m'a dit, c'est un organe de modération. Je lui ai dit, un peu comme ma bite. Et d'ailleurs, juste les dîners là que tu fais. Que Ardisson faisait avant, vous êtes passé le mot, de toute façon, c'est ton srab, comme on dit dans les Hauts-de-Seine. Et t'as repris ces dîners, en fait, tu dînes avec des invités, vous buvez tranquillement, c'est pas le meilleur taf du monde, sérieux? Ce que tu viens de dire, c'est que quand on claque un record comme ça, effectivement, et tu as raison, c'est de dire, nous ne sommes vraiment rien du tout par rapport à la vie de la planète et de l'univers. Give me five. C'est rien, c'est juste un petit peu de vin. Non, ça se voit pas. C'est une escroquerie, quoi. T'es payé pour boire des coups, voir des gens que t'aimes bien la plupart du temps, et bien manger, parce qu'il y a des chefs qui passent. Hier, on a eu un chef qui s'appelle Abdel, qui bosse... qui a des restos, qui bosse un peu sur Canal. Il a fait super bien à manger, quoi. Mais du coup, c'est pas de la vraie animation que tu fais? Non, j'ai jamais su faire de la vraie animation. Quoi, tu te sens pas, tu te sens en second ou en sniper ou... Pour moi, animateur, quand on me qualifie d'animateur, c'est un gros mot pour moi, je le prends mal. Et si on dit c'est un présentateur? Pareil. Et par contre, de la Villardière, là, c'était la dernière émission qui a été diffusée, c'est ça? Qu'est-ce qu'il lui a pris? Lui, il a clairement trop bu. C'est incroyable. Pourquoi? Ce qui s'est passé. C'est bonheur, là. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Je me rappelle même pas. Tu te rappelles pas? Il y a beaucoup de miss qui finissent putes ou... Il n'y a pas un vrai reportage à faire là-dessus? Toutes les putes sont des miss, je vais te dire. Moi qui ai fait le tour des putes de la planète. T'as fait le tour des putes? Elles sont toutes belles à l'intérieur. Oh, c'est hyper puissant. T'avais une bonne caméra, hein? Mais j'étais ivre mort déjà, j'étais bourré, moi. Il était bourré. C'est un très grand moment, il est incroyable, il se lâche complet. Ensuite, il raconte deux blagues à la fin, c'est vraiment chaud d'ailleurs. Mais sur les putes, c'est incroyable. Il dit, moi, je connais toutes les putes de la planète. Non, mais évidemment, mais lui, il a un CAP de putologue à la base. Ah, d'accord, c'est notoire. C'est son métier. C'est rémunéré par l'État, je crois, c'est un contrat. Ouais, bah tu fais ces émissions, on apprend plein de trucs sur les putes de tous les pays, quoi. Putologue. C'est quoi le moment le plus gênant de ta carrière? Un moment où tu t'es dit, cette vanne, elle est de trop, elle n'est pas passée du tout. Bah, il y en a eu plein, des vannes qui sont tombées à l'eau, des vannes pourries, mais Ardisson, il avait la gentillesse de les couper.
ou des fois pour me pourrir, elle me disait celle-là, bah, je la laisserai celle-là. Alors, j'en ai fait plein des pourris. Hein. Tu crois que je suis un génie qui sort que des bonnes vannes? Quand tu fais une bonne vanne, les gens te regardent et t'es fier. Est-ce que par amour, vous pourriez supporter une toute petite bite? Partez non. En week-end déjà, vous verrez bien si ça marche. Non, c'est pas possible. Et les gens se marrent et tout. Puis quand tu fais une mauvaise vanne, les gens ils te regardent avec un air, mais t'as honte, tu voudrais aller te cacher. Mais en plus, quand tu t'es fait connaître pour des bonnes vannes, tu vois, les gens ils te regardent d'un air de dire, bah, pas toi quand même, pas ça, pas ce niveau. Et t'as déjà ressenti ça, tu t'es dit merde. Mais tout le temps, mais tous les jours. Tous les jours, je ressens ça, puisque je fais pas que des bonnes vannes. Je fais plein de bides, plein de mauvaises vannes. Et, ça nous rassure. Et pour trouver des bonnes vannes, il faut oser aller faire des mauvaises vannes. T'écoutes quoi comme musique? Toujours les mêmes. Alors ça n'a pas du tout répondu à ma question. Bah, ça n'a pas évolué. C'est les vieux, ils écoutent les trucs en boucle. Adamo? Ouais. Adamo? Ouais. C'est à moi que tu parles? Allô? Allô? Eh ben, je vais aller voir Adamo à l'Olympia cette semaine avec ma maman. Oh. Ah, tu vois? Je suis quand même tombé bon, pile dedans. Bon, pile bon. Dedans. Et tu connais The Random Monster? Bien sûr. Truc de ouf, on est d'accord. Ouais, ils sont bons. Hein. Le Scream, ça te plaît? Ouais, j'aime beaucoup. Le gratteux? Bah, comment définir en quelques mots le gratteux? Bon, c'est le meilleur. Tout simplement. Voilà. Je connais même pas son groupe de merde. Quand? Non, j'ai dit j'adore. Ah. Je regardais avec vous. On s'est regardé tout de suite un live de The Random Monster. Musique de jeune. C'est une pièce unique. Hein, c'est... The Random Monsters en live. Sachez que c'est un groupe à fesses osseuses. Et ça n'est pas intéressant comme information. Ah oui, et aussi un album qui est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Et ben voilà, osseuses. Les plateformes. Daniel looks so bound in his jeans, you look so tight, and I don't know where you're going. Never mind, yeah, if you die, it's like a sacred die when you never look back, never look back. But love is not so right when it lost your appetite. When you're walking in the dark, every day, every night, it's like a sacred time. And even looking back, when you've lost your appetite, but now I'm on your side, and I don't even realize that you know the paradise. But you wish hurts my sacrifice. It's like a sacred die when you never look back, never look back. The love is not so right when I've lost your appetite. When you're broken in the dark, every day, if every night, it's like a sacred time. I'll never look back when it lose your appetite. But now I'm on the side, and I don't even realize. I know the paradise where you were charged my sacrifice. It's like a sacred time. Mais c'est incroyable ce qui se passe. Ouais, c'est le tournage. C'est le tournage. C'est le karma Baffi. La maquilleuse a fait des raccords canapé. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est ça qu'il y a les animateurs sans branle. Oh là là, dis donc le lino là, t'as vu? Je passe un petit coup sur le lino.
Non mais c'est vrai en plus. Non mais t'en as rien à branler déjà en fait. Ça a le son ou quoi? J'ai vu que tu as posté sur Twitter il y a quelques jours que tu venais de finir une nouvelle pièce qui s'appelle... Jacques Daniel. Est-ce que t'étais bourré ou est-ce que c'est une vraie info? Non, c'est une vraie info. Le titre est cool déjà. Ouais. Pour ceux qui... Ouais, ouais. Cette référence... Alors après, je verrai les problèmes que je peux rencontrer avec le CSA. Pourquoi, il y a encore des choses un peu vicelables? C'est-à-dire ça doit être mais déposé? Mais non, parce que ils vont croire que je fais l'apologie de l'alcool et ils vont m'interdire ça, alors que les personnages s'appellent Jacques et Daniel et ils se rencontrent dans un bar à whisky et ils décident de se tuer en picolant, comme la grande bouffe, mais voilà, c'est en buvant du whisky. Cool, le meilleur pitch hein, du monde. Vous voulez parler du dictionnaire de Laurent Baffy qui est sorti en octobre dernier. Ouais. Est-ce que cela se vend bien, premièrement? Non, ça n'a pas marché. Putain! Merde! Mais c'est drôle en plus! Mais ça n'a pas marché. C'est la crise, les gens n'ont plus de sous, les gens ne lisent plus. Et voilà. Ça se lit même pas, ça se prend par bribes dans la gueule comme ça. Ça vous a plu? On a le bouquin quelque part. Est... Ça vous a plu le livre? Ouais, on l'a pécho tout à l'heure et on a lu et on s'est pété des barres quand même. Ouais, non, attends, je vais trouver, j'arrive. Là, voilà. J'en ai noté un qui m'a plu. Waouh. Donc ça, vous pouvez observer. On sent le boulot, hein. Le boulot et la prod. Il y a beaucoup d'émissions qui ne sont pas préparées, mais là, il y a du travail. Moi, j'ai aimé Cannabis, ouais. Substance qui m'a aidé à écrire ce livre et qui devrait vous aider à le lire. Mmh. T'as mis du temps à l'écrire, c'est sûr que t'as mis beaucoup de temps. Je ne l'ai pas lu, surtout. Ah, mais je ne l'ai pas écrit, d'ailleurs. Je le découvre. C'est un petit haïtien de 17 ans, j'ai fait une commande, il m'a livré ça. Je suis assez content. Enfer, grosse rôtisserie en sous-sol, pavé de bonnes intentions. Ah, ça, c'est un peu poétique. Il a une sensibilité. Ouais. Comme quand il parle des animaux, il est sensible de ouf, ce mec. Non, mais il y a une sensibilité dans le personnage. Une grosse sensibilité. Non, mais c'est vrai, il y a un truc. Non, il y a de la poésie, il y a du surréalisme, il n'y a pas que de la vanne de cul, il n'y a pas que de la déconne. Il y a de l'écriture, il y a de la réflexion, il y a... C'est ça qui est beau chez toi. Et tu as depuis, enfin, vu ces propos, ces prises de maison politique. Mais il n'y a pas des causes plus graves que les animaux. Mais c'est pas l'un ou l'autre, connasse. Ah, mais si, c'est un peu l'un ou l'autre. Mais n'importe quoi, il n'y a pas une hiérarchie. Non, parce qu'on essaie de sauver les enfants au Sahel qu'il ne faut pas se préoccuper du sort des animaux. Tu vois, par exemple, névrose. Traumatisme dû à nos parents que l'on refile à nos enfants. C'est pas drôle. Ouais, c'est profond. Et en même temps, c'est tellement vrai. Non, mais alors, c'est quoi la suite là? Du coup, c'est Jacques Daniel, c'est ça? C'est ça ton prochain projet avec en plus 17e sans ascenseur? Ouais, puis je travaille sur une nouvelle pièce là. C'est quoi le thème? C'est quoi le phase? Le thème, ça s'appelle Philippe Maurice sans filtre. Jacques Daniel et Philippe Maurice, le mec a ses thèmes. Et est-ce qu'à chaque fois ça cartonne tes pièces de théâtre? Ouais. Les dernières là, c'est de la folie. C'était Les Bonobos, ou non, Bonobos. Les Bonobos, la dernière pièce. Ouais. On va draguer des filles en leur faisant croire qu'on n'est pas handicapé. J'adore les Malinois. Et alors, c'est pas une raison pour m'encastrer direct. Ouais, ça marche très très bien, mais ça marche moins bien qu'avant parce que le théâtre se casse un peu la gueule, parce que les gens, ils ont plus de sous. Ah mais vraiment, à ce point-là? Ouais. Et depuis que je fais du théâtre, on me dit toujours, c'est la pire année. Chaque année. Je te jure, ça fait 15 ans, on me dit, putain, c'est la pire année. Et chaque année, ça tombe, quoi. Ah, pourtant... Mais il y a des pièces qui marchent, quand même. Quand même, grave. Et est-ce que t'es un malade des détails? Est-ce que genre tu fais chier tes comédiens? Oui. Je réécris tous les jours, je compte les rires, je peux faire des fiches, je les pourris, ouais. Mais pour le bien du spectacle. Ah. Ils savent que c'est pour le bien du spectacle. Et puis les comédiens, ils sont très contents d'avoir des rires en plus. Et j'avais une dernière question pour finir l'interview, mais je sens que tu vas me glisser une quenelle. Vas-y. Quel conseil tu donnerais à notre cible, genre les 18-25 ans, pour réussir dans l'audiovisuel, tu sais, pour les gens qui veulent tenter un peu de divertissement. Il a d'abord pensé quel fils de pute avec sa question, mais il y a une partie sincère. Conseil pour réussir dans l'audiovisuel. Bah putain, ça fait des années. Tu vois, toi, tu maîtrises le bordel. Déjà, les filles, je leur conseillerais de sucer toutes les bites qui passent. Ça, c'est vraiment la base, le béaba, manger de la tobe. On parle de réussite là. Ouais, bien sûr, pour les mecs. Et pour les mecs, j'ai envie de dire pareil, mais avec la rondelle en plus, quoi. C'est le petit plus du mec qui... Putain, c'est aussi simple que ça, on va gravir c'est les échelons. Des accélérateurs de carrière, quoi. Moi, je veux. Tu veux que je te montre mes cicatrices? Tu veux voir ce que c'est qu'une carrière? Ah ouais. Tu vois tous les contrats que j'ai signés? Putain de merde. Avec les Louvains, les Marouani, tout ça? Ah oui, c'est vrai que ça. Tu crois qu'il les a signés comment? Alors. Si tu peux t'avancer encore un petit peu. C'est là, c'est une coloscopie, l'étape suivante. Attends, je vais me mettre comme ça, ça ne dérange pas. Ça te dérange pas si je te claque ta gueule? Hein, tu t'en fous si je te claque ta gueule? J'aime bien la gestion, il est sympa. Hein, tu t'en fous, toi?
C'est quand la dernière fois que tu as traité quelqu'un d'enculé ? Hier, pendant l'enregistrement. L'ornithorynque atteint sa maturité sexuelle vers l'âge de 2 ans. Et toi, quel âge ? Il y a 2 ans. Tu peux faire un compliment à Jean-Marc Ayrault ? Enculé. Quand tu te fais arrêter dans la rue, qu'est-ce que les gens te demandent le plus ? Ils me demandent rien. Putain, ils sont cool. Tu regrettes l'époque où tu avais des cheveux ? Oui. Alors, tu préfères une prof d'anglais qui porte des jupes et qui est fatiguée par la vie, ou une grosse dans un péage qui objectivement a très envie de se faire défoncer ? Je vais prendre le péage. Un adjectif pour décrire Geneviève de Fontenay ? Ma copine ! Combien de fois t'as vu le sgeg de Thierry Ardisson ? Jamais, mais il se le touche tout le temps, il a pas de slip, il se touche le sgeg, il te dit bonjour, je fais la bise. La dernière fois, on a vu Isabelle Alonso complètement bourrée dans le 18e arrondissement de Paris, et elle chantait « Mon cli-cli à cli-cli ». Est-ce que tu as une recommandation pour sa carrière ? Quelle carrière ? Il te reste 10 secondes à vivre, quelle est la dernière phrase que tu dirais aux Français ? Prenez un crédit. Merci Laurent, c'est fini. Wow. Hey, c'est encore le moment de gagner la basse. Voilà. Si vous emportez cette basse et que vous l'avez chez vous, voilà ce qu'il faudra que vous fassiez. Et du coup, voilà ce qu'il faudra pas faire. Oh. You should turn off the fan. Et vous connaissez le principe, hein, pour l'emporter cette Sublimba, c'est pour l'avoir chez vous, vous nous envoyez à l'adresse qui s'écrit là, quelque part par là, là, hein, une photo de vous avec la gueule dans le cul, une photo de vous hyper fatigué. On sélectionne les meilleurs et on les publie sur notre Facebook. La fin de l'émission arrive beaucoup trop tôt à chaque fois. Ça me rend triste. Et c'est pour ça que Schneidebs est là. Pour finir l'émission en beauté. D'ailleurs, il est plutôt bel homme. Schneidebs, nous reçois-tu ? Ouais les gars, je me reçois un peg là. Parfait. Ah nickel. Et tu sais Ty Chris là, avec sa gueule chelou là. Ah il a fait un saut en roller de la Tour Eiffel. Ça c'est de la crotte de mix en fait. Tu vas voir, moi je vais te montrer ce que c'est un vrai pro. Regarde, regarde bien, regarde bien. On t'écoutons. C'est l'histoire d'un mec qui arrive chez lui avec un canard sous le bras. Et il va voir sa femme, il dit eh, ça c'est la truie dont je t'ai parlé. La femme, elle lui dit mais non, ça c'est un canard. Elle dit mais ferme ta gueule, c'est pas à toi que j'ai parlé. Elle dit mais ferme ta gueule, c'est pas à toi que j'ai parlé. On se quitte avec The Random Monster! Red Bull, café, cocaïne! Ta gueule, ta gueule. Qu'est-ce qui s'est passé, Florent ? Concert. Bah là, cette émission, alors. Ah bah, j'ai jamais vu, j'ai 30 ans de boutique, j'ai jamais vu un mec avoir autant de couilles techniques. Ah ouais, non, mais là, c'était épique. Genre, toutes les couilles possibles arrivent en même temps. Rablon, tu as perdu tes parents ce matin. Est-ce qu'il y a un rapport de cause à effet ? C'est possible. Je crois que le karma a quelque chose contre moi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bah, je ne sais pas. Je pense que l'univers veut que je cesse d'exister. Bah déjà, la prod voudrait que tu arrêtes de travailler. Tu le sais, ça ? Ouais, ça, je sais. Je suis sur la pente descendante, là. T'es viré. Ouais, je sais. C'est pas grave. On n'a pas le temps d'être en avoir trop long. Nous, tout ce qu'on veut, c'est être heureux. Être heureux avant d'être mieux. On prend tout ce qu'on veut, comme on